Voici double jeu avec Laurent Baffy, François Rollin, Philippe Corti, Love Amour, Amanda Lear, Evelyne Leclerc, Sophie Darel et Adeline Hallyday. Voici double jeu spécial fille. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue aux Folies Bergères pour double jeu spécial fille. Le fauteuil et le canapé ne sont pas revenus de chez le teinturier. Tu veux un donc, fauteuil? Ben... Oh! C'est une idée. Debout. C'est une idée. Alors on va faire un mini débat en forme d'interview parallèle, mais on va commencer debout. Bah, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Non, mais c'est sympa comme accueil. C'est ouais, bien. On peut faire un... Il n'y a pas de problème. On, faire... on va être obligé, oui. Moi qui avais prévu de croiser mes jambes. Faire alors, on va commencer par toi, Amanda. Pourquoi moi? Bah, parce que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. La plus jeune. Comment ça, debout? Comment imaginais-tu l'amour quand tu étais petite fille? Ben, je regardais, je voyais les films. Ouais. Et puis les revues, les trucs, les journaux. Donc j'imaginais ça avec des cœurs, des princes charmants, ouais. le coucher de soleil, la valse dans l'ombre, tout ça. Tu vois, ouais. J'avais une vision très romantique, très stéréotypée, très romantique. Est-ce c'était que tu as été déçue par la suite? Ben oui, la première fois qu'on m'a bousculée, c'était pas du tout comme ça, quoi. C'était pas la même chose. C'était pas vraiment ça. Et toi, Evelyne, comment imaginais-tu l'amour quand tu étais petite? Très romantique également, comme Amanda. Moi, c'est Blanche-Neige, c'est ouais. le prince charmant qui vient me réveiller après 100 ans de sommeil. C'était les sept nains, moi. Oh. Voilà. Chacun son truc. Est-ce que tu as été... Est-ce chacune, que tu as été... pardon. De toute façon, c'est l'époque du muet. Hein. Ouais. Est-ce que tu as été... Est-ce que tu as été déçue, toi aussi, par ta première bousculade? Non. Pas bousculade, non, c'était pas une bousculade d'ailleurs, mais on en parlera plus tard. Calmement, si tout tu veux. À l'heure. Voilà, toi, je préfère. Lova, comment imaginais-tu l'amour quand tu étais petite fille? Ben, je crois que je l'imaginais pas. Ouais, donc tu étais très surprise quand c'était arrivé. Non, j'ai toujours pensé que les hommes étaient des petits cochons, et je le pense toujours. Ah bon? Quel était ton héros favori, Amanda, quand tu étais petite? C'est Tarzan, oui, c'était Zorro. Moi, j'aimais bien Tarzan parce que c'était la belle bête. Bah oui. Mais Tarzan était un peu efféminé, je trouve, ouais. parfois. Il avait certaines poses. Tu extrapoles. Et toi? C'est vrai que t'extrapoles. Hein. Evelyne, quel oui. était ton héros? Moi, c'est Lucky Luke, incontestablement. Ah, bon. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il tire plus vite que son nom. Exactement, en trop. Ouais. Lova? Moi, c'était Mickey. Oh, pourquoi? À cause de la queue, peut-être, non? Ouais. Amanda, comment as-tu appris en quoi consistait faire l'amour? Ben, c'était c'est des... une grande sœur, c'est un copain, c'est tes non, parents? Non, c'est des jumeaux. C'est... Des jumeaux? C'est des copains, mais je ne savais pas qu'ils étaient jumeaux. Alors, ouais. J'en connaissais qu'un, mais je ne savais pas qu'il avait un frère jumeau. Ouais. Et donc, je suis sortie avec un, puis il se relayait avec son copain. Je disais quand même qu'elle sentait. Et puis, il y en avait deux. Et Evelyne, comment as-tu appris en quoi consistait faire l'amour? J'ai appris sur le tas, moi. Ah bon? Non. Non, Evelyne, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Non, c'est lui qui a appris sur le tas. Non, sur le terrain, au jour le jour. Ouais. Mais vous interprétez toujours les réponses d'une façon qui n'est c'est pas la bonne. Tu le connais, tu le rencontres un au petit grosses peu, têtes. Oui, un petit tu peu. Tu connais le personnage. Lova, alors? Bah, moi, j'étais dans un petit village. Alors, évidemment, les petits coursaient les grands dans les champs. Et puis, ouais. on regardait, on apprenait en regardant. Ah bon?
Et la première fois, tu as vu qui en train de pratiquer? Le curé. Ça va, ma fille? Non, j'ai vu ma sœur et son fiancé. Amanda, que dirais-tu à une gamine qui voudrait savoir se débrouiller en amour? Quel conseil lui donnerais-tu? Faut apprendre au fur et à mesure, je crois. Ouais. On découvre tout soi-même. Ce n'est pas la peine que quelqu'un donne des conseils, dise faut faire ci, faut toucher ça. On découvre tout comme ça. Moi, je dirais voilà, les fauteuils qui reviennent faire au pif. Très, très bien. Evelyne, que dirais-tu à une copine qui... Que dirais-tu à une gamine qui voudrait apprendre à se débrouiller en amour? Ou par exemple à ma fille, puisque j'ai une fille de 20 ans que j'adore et à qui toutes les deux nous avons souvent abordé ce sujet ensemble, et je lui ai toujours conseillé et dit aime. Ouais. Il faut aimer. Ouais. Il ne faut pas faire l'amour avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc aimez d'abord et faites l'amour après. Ça sera tellement plus beau. Lova, Je conseillerais de regarder Canal Plus. Qu'est-ce qui te fait craquer chez un mec, Amanda? Sois franche. Non, d'accord, tout dépend s'il vient vers moi ou s'il me tourne le dos. Ouais. S'il vient vers moi, c'est les yeux, ouais. Le sourire. S'il me tourne le dos, c'est Dave. S'il me tourne le dos... fesses, parce que je veux dire que les les bons hommes ont des très jolies fesses. Mais Evelyne, qu'est-ce qui te fait craquer chez un mec? Non, ce qui me fait craquer chez un homme, moi, c'est l'humour d'abord. J'aime bien les gens qui me font rire et j'adore ça. Et puis, je pense que la vie est assez difficile et triste pour avoir besoin de se détendre. Et c'est vrai que bon, le côté physique est aussi intéressant, puisque la première approche que l'on a de quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, c'est son physique, évidemment. Oh, donc on accroche ou pas? Non, pas les fesses, pas forcément. Ouais, De l'autre côté. Qu'est-ce qui te fait craquer en premier chez un mec? C'est le regard. Dans le regard, on voit le sexe de l'homme. Ah, regarde. Et moi, comment tu me vois là? C'est pas mal. Ah, je m'en sors bien. On pouvait draguer aussi. Ah, on peut tout faire là, si tu veux, ici. C'est le problème, oui. Qu'est-ce qui les fait craquer chez toi, les mecs, tu crois, Amanda? La voix, peut-être. Souvent, comme c'est au téléphone qu'on les porno-calls la nuit, oui. Allô, tu m'entends? Alors, c'est plutôt la voix. Et toi, qu'est-ce qui les fait craquer les mecs chez toi? Contrairement à Amanda, je ne peux jouer ni sur mes jambes ni sur mes cheveux. Ouais. Donc je tape dans un autre registre. Et l'un de mes meilleurs amis qui me connaît depuis plus de 20 ans m'a dit « Bon, Evelyne, soyons réalistes. Maintenant, on ne se retourne plus vraiment sur toi dans la rue, mais tu gagnes à être connue. » Et je l'ai pris pour un compliment. Et je le prends très bien. Et c'est vrai, je vous le dis en face, je gagne à être connue, croyez-moi. Et toi? Qu'est-ce que tu crois? Ma bouche. Ta bouche? Oui. Ouais, ça je comprends. Ouais. Tu sais combien d'amants tu as eu dans ta vie, Amanda? Un millier, quelque chose comme ça. T'as eu un millier d'hommes dans ta vie? Il me semble, non. Peut-être que j'ai mis un zéro trop. Mais Amanda, ça passe à la télévision ce soir, tout le monde t'écoute, c'est horrible. Et toi? Peut-être que j'ai mis un zéro en trop. Non, moi je ne compte pas et j'ai un gros problème, c'est que je suis très fidèle. Ah. Et en dehors de ça, bon... disons une dizaine, quoi. Je n'ai pas une expérience... Grosse dizaine, très quoi. Importante. Une dizaine. si ça vous fait plaisir, une dizaine, alors... Pas, nous, hein. Toi, tu mais sais une comment... Une dizaine à la fois, ou... Non. Évidemment. Et toi? Moi, avec mon corps, je suis assez sage, mais dans ma tête, je fais des folies. Mais... Je fais des folies la nuit dans les rêves. Ah bon? Ouais, je trouve que c'est meilleur. Combien? On veut savoir combien? À 800 près. Ouais, à 800. Dans mes rêves, j'en ai un par nuit. Un par nuit? Un par nuit. C'est pas moi la plus cochonne, mais c'est moi qui ai la meilleure mémoire. Alors, ce que je propose, on va faire beaucoup de bien aux téléspectateurs. Ce que je propose, c'est comme quand on est dans un spécial blonde, un spécial fille, c'est qu'on fasse une minute de silence. Est-ce que vous êtes capable de faire une minute de silence? Nous, oui, mais vous, certainement pas. On essaye. C'est parti. Une minute totale, on dit rien du tout. Laurent. Okay.
phase. S'il vous plaît, c'est un lieu public ici, c'est interdit de fumer. Oh, c'est une invitée quand même. Non, c'est un interdit de fumer, invité ou pas. Tous les mêmes. Je crois que le professeur Rollin a demandé la parole, non ? Non, Thierry, je voulais vous interrompre parce que je suis scandalisé, mais vraiment scandalisé par votre façon de faire. Vous êtes comme les autres, finalement. Votre audimat est en chute libre, hein ? Vous savez plus quoi faire pour remonter la pente, alors vous nous sortez trois super nanas canons avec les seins à l'air, voilà. Toujours la même bouée de sauvetage, le sexe, toujours la même chose, n'est-ce pas ? Alors évidemment, mais vous êtes comme les autres, vous êtes comme les Sabatier, comme les Foucault, comme les deux Chavannes. Vous êtes en perte de vitesse, mon pauvre Thierry. Vous savez plus quoi faire pour gagner des points, alors vous nous sortez du sexe. Allez hop, du sexe. Ça porte un nom, ce que vous faites, mon cher Thierry, ça s'appelle du racolage, tout simplement. Eh bien, moi, je vais vous dire, Thierry, je condamne fermement ce genre de procédé et je demande aux téléspectateurs d'en faire autant, de sanctionner ce genre de pratico, non pas en zappant, parce que je ne me fais pas d'illusions, hein, les autres chaînes utilisent les mêmes méthodes de racolage, mais tout simplement en éteignant leurs postes de télévision. Éteignez vos postes de télévision, mes amis. Ne cautionnez pas le racolage. Éteignez-les maintenant. Redécouvrez les joies d'un bon bouquin, comme celui-ci, L'amour écorché de Bernard Huvelin. C'est paru chez Grasset, c'est formidable. Lisez, redécouvrez les joies de la lecture. Éteignez vos postes de télévision. Éteignez-les. Voilà, Thierry. Bon, vous pouvez reprendre vos petites affaires, plus personne ne vous regarde. C'est un homosexuel, cet homme-là. Je sais pas ce qu'il a, hein, ce soir. Il est un peu énervé, quand même. Un peu énervé. Chers téléspectateurs, une surprise vous attend à la fin de cette émission et que je l'espère, vous allez tous passer avec nous une sacrée soirée. Alors, Lova, oui. J'ai essayé de taper sur ton Minitel 3615, Love Amour. Oui. Et je vais te dire ce que j'ai trouvé. D'abord, il y a l'actualité de Lova. Oui. Alors, c'est quoi l'actualité de Lova ? Là où je vais faire mon shopping, là où je vais boire le thé. Qu'est-ce que je raconte, hein, des petites choses banales. Il y a tout sur Love Amour. Sur la beauté, sur la mise en forme, sur les produits que j'utilise. Ah oui, il y a tout sur Love Amour. Il y a jusqu'au bout avec Love Amour. Le fan club de Love Amour, les paroles des chansons de Love Amour, devenez parolier pour Love Amour, les petites annonces de Love Amour. Alors il y a un truc terrible. Love Amour en Espagne. C'est pas ça, il y a le jeu de Love Amour. Et ce qu'on gagne quand on gagne au jeu de Love Amour, on gagne une soirée de rêve avec toi. Alors c'est quoi ça ? Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans cette soirée de rêve avec Love Amour ? Ne rêve pas, toi ! Ça consiste en quoi ? Et la personne peut correspondre avec moi. Ah, c'est tout ? C'est tout. La soirée de rêve avec Love Amour, c'est un endroit... Ce sera par la voix. J'en déconne, il crache pas la purée, le mec. Non, ça veut dire qu'on... Blague à part, c'est-à-dire que je crois qu'on passait une soirée Mais on joue sur les mots, c'est pas... Ouais. C'est un Minitel bleu, c'est pas un Minitel rose. Ah, d'accord. Voilà. Moi, je suis un peu déçu, là. Un peu déçu, qu'est-ce que tu pensais faire avec moi ? Qu'on passait vraiment une soirée avec toi, oui. Ah bon, mais si tu veux, je peux te faire ce plaisir-là. Moi, ça peut s'arranger. Oui. Tu es mariée, c'est pour ça ? Bien sûr, mais on peut être mariée et être infidèle aussi. On a des images de ton mariage, là. Tu veux qu'on les regarde ? Pourquoi pas ? Prends ton petit télé et regarde. Mon épouse s'appelle Ève. Votre Ève, à vous, cher Alain Bernardin, n'a pas comme certaines beautés d'autres établissements la pomme d'Adam trop développée. Il s'agit d'une authentique beauté et d'une vraie femme qui ne vous coûtera pas trop cher en vêtements. Un rien l'habille, vous le savez depuis longtemps. Je connais des moments de tension dans la vie politique, mais rien à voir avec la haute tension qui électrise les clients du Crazy Horse. Grâce à vous, le Vagot. Ce soir, c'est un mariage câblé, branché. Nous avons un point commun, vous et moi, Alain Bernardin. Vous effeuillez les superbes créatures que l'on admire chez vous, et moi je retire tout au contribuable, lui ôtant jusqu'à sa chemise. Mitterrand, Bernardin, même combat. Alain, Lova, vous êtes unis pour le pire, mais vu les derniers sondages d'opinion qui me concernent, vous le serez bientôt pour le meilleur, à qui je cède la parole. Qu'est-ce qu'il y a encore ? S'il vous plaît, c'est interdit de fumer ici. C'est un lieu public. C'est un lieu public. C'est interdit de fumer, je m'excuse.
Bon, éteins-la et puis... Elle est insupportable. Le chef de rayon à la maison casse-cou. Ah ouais. Alors, Nova, j'ai lu récemment dans la presse que tu lisais Marguerite Duras. Oui. C'est vrai ou c'est un gag ? Non, pas du tout. J'ai découvert Marguerite Duras avec l'amant. Je l'ai dévoré en une nuit et cette femme purifie par la façon de manier son verbe. Elle a une écriture d'une pureté qui me remplit de bonheur et je l'adore. Alors, tu t'étonneras pas que je te fasse un Proust Express. Alors, un Proust Express, c'est le questionnaire de Proust, version McDo. Oui. T'es prête ? Alors, quel est pour toi le comble de la misère ? C'est de camper dans une Rolls. Ouais. Pour quelle faute as-tu le plus d'indulgence ? Les crimes passionnels. Ton peintre favori ? Renoir. Ta qualité préférée J'aime chez l'homme ? J'aime bien ce que fait Amanda aussi. Ouais, c'est très bien ce qu'elle fait, Amanda. Ouais, c'est super. C'est vrai, tu vois que t'es pas venu pour rien. Ouais. Oui, oui. Vous allez vous réconcilier. Ouais. Ton principal défaut ? La fainéantise. Ce que tu détestes par-dessus tout ? Me lever très tôt le matin. Le don de la nature que tu voudrais avoir ? J'aurais aimé être chirurgien. Pourquoi faire ? Bah, qu'est-ce que fait un chirurgien ? T'aurais aimé sauver des vies. Bien sûr. Mais tu sauves des vies, tu sais, Lova. Comment aimerais-tu mourir ? En scène. En scène. Là. Là. Maintenant. Non. L'état présent de ton esprit, là. Oui. C'est quoi ? L'état présent de ton esprit. Libidineux. Libidineux. Non, le bout du nœud, on dit. Bon, on va se faire une petite info intox. C'est une question de Valérie Perret de Paris. Encore une question. C'est comme grosse tête, tu vois. Alors là, vous êtes toutes les trois dans le coup. Aux USA, il existe une chaîne câblée pour chiens. Oh, est-ce de la faux ? Est-ce de la tox ? Amanda Lear. À mon avis, c'est vrai. Ils sont capables, les Amerlocs. C'est... Bon, tu dis que c'est vrai, toi, Evelyne ? Moi aussi, je pense que c'est vrai. Mais je voulais exactement dire la même chose que toi. Ils sont capables de tout, donc pourquoi pas une chaîne câblée info, pour les chiens ? Info. Et toi ? Oui, je sais qu'on peut faire hériter ces animaux. Oui, moi aussi, je pense que c'est de l'info. Une chaîne câblée pour les chiens. Ouais. Eh bien, bravo, on les applaudit toutes les trois. C'était de l'info. Pop TV, qui remportait très très vite un immense succès aux États-Unis. Et 150 chiens participent tous les jours au show de Doc TV. Donc Valérie Perret de Paris gagne 500 francs. Et Corti, tu nous donnes le score. Bien sûr, il y a des dog shows. Il y a des dog shows. Évidemment. Le score, Corti. Nova Moore, 1. Evelyne, 1. Amanda, 1. Bravo. Alors maintenant, après le Proust Express, auquel tu as très très bien répondu, on va faire une interview coq à l'âne. C'est quoi coq à l'âne ? Ah, mais c'est une interview coq à l'âne. C'est des questions qui passent du coq à l'âne. Quelle est l'insulte qui t'a fait le plus mal dans ta vie ? Lorsqu'on on m'a cru idiote, stupide. Pas mourir. Parce que c'est un constat, ça, c'est pas une insulte. Allez, viens me dire ici. Tiens, viens, allez, viens, allez, viens, allez. À genoux. Je m'excuse. Demande pardon à la maîtresse. Je m'excuse, je le ferai plus. As-tu déjà pensé au suicide ? Oui. Quand ? Bah, disons que très souvent, je pense que je vais programmer ma mort. C'est moi qui la programmerai. Tu écris quoi quand on te demande des autographes ? C'est banal. J'écris Bisous, Lova. Bisous, Lova ? Oui. Est-ce que tu m'aimes, moi ? Oui, je t'aime beaucoup. Beaucoup ? Oui. Jusqu'à quel point ? Je me renseigne maintenant. Disons que je te connais pas intimement. Non, j'ai des graves tout. J'aime ton intelligence. Ouais. Et puis je trouve que tu es hyper séduisant parce que tu ressembles à un prêtre. Ah. Sous la torture, qui dénoncerais-tu en premier ? Un contrat. Tu crois qu'il faut coucher pour réussir ? Non, absolument pas. C'est pas la peine ? Non. Comment parce t'as qu'on fait ? Peut coucher et ne pas réussir.
C'est pas... J'ai ramé. Quand as-tu pleuré? J'ai fait monter l'audimat, mon cher ami. Il n'y avait que l'audimat que tu as fait monter. Est-ce que je fais monter ton audimat à toi? J'ai les noms. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Pour la dernière fois? Ouais. Lorsque j'ai perdu un ami. Mmh. Où aimerais-tu être enterré? Dans le petit village où je suis née. Quelle est la dernière personne que tu as eu envie de tuer? De tuer? Mmh. Baffi. Baffi. Il m'a soufflé, hein. C'est vrai que c'est tentant. C'est tentant. Non, je l'adore. Alors. Est-ce que tu préfères draguer ou te faire draguer? J'aime bien me faire draguer et donner l'impression d'ignorer. Mmh. C'est pervers. C'est assez pervers, oui. Tu préfères larguer ou te faire larguer? Larguer, évidemment. Mmh. À quoi reconnais-tu infailliblement la passion naissante chez un mec? Au regard. Bon, bah écoute, oui. Que fais-tu si tu as besoin de téléphoner dans la rue, tu n'as pas de monnaie et ta télécarte est vide? Que fais-tu? J'ai toujours mon téléphone portatif, mon cher. Ah bon, donc tu n'as pas besoin de télécarte. Donc tu n'as pas besoin de regarder ce sujet. Ben, les autres, quand même, prenons notre petit téléviseur et regardons. La télécarte a résolu les problèmes de monnaie pour les usagers et de sécurité face au vandalisme dans les cabines. Mais cette carte a dévoilé son talon d'Achille. On sait déjà qu'en passant une télécarte sous des ultraviolets, les informations, la mémoire s'effacent, les unités disparaissent. Ce que l'on ne savait pas, c'est que cette carte se rechargeait au froid à moins 20 degrés pendant une demi-journée. Ce qui se passe, c'est que la mémoire des puces des télécartes est organisée sous forme de couches d'informations qui sont empilées. Quand vous téléphonez et que vous consommez une unité, la couche du dessus est effacée. Alors, il y a un phénomène qui s'appelle la NP complétude, qui dit qu'à partir de moins 20 degrés, ces couches commencent à se régénérer. Pour l'inventeur d'un truc ultra sensible comme cette carte qui porte de l'argent, donc qui est un, qui sera forcément attaqué par des fraudeurs, etc., bien sûr que ça vient forcément à l'esprit. En tout cas, ça m'est venu à l'esprit, mais je pensais plutôt à des choses genre les rayonnements alpha ou peut-être des petites météorites, des choses comme ça, quoi. Ne jetez plus vos cartes épuisées. Un passage au congélateur lui redonnera un peu de vie, une astuce que France Télécom n'a pas voulu commenter. Mais ne rêvez pas, toutes les cartes à puces ne sont pas aussi dociles. Les cartes bancaires, elles, sont hyper protégées. Vraiment aucun risque. Pourquoi? Parce que toutes les informations confidentielles, toutes les informations contenues à l'intérieur de la puce sont, pour des raisons de confidentialité évidentes, protégées par un système de verrou informatique. Et ce verrou informatique fonctionne aussi, entre autres, en cas de choc thermique. Équiper les télécartes d'un tel verrou serait un investissement trop lourd, car d'ici 2 ans, on utilisera sa carte bancaire pour téléphoner. Alors, la télécarte se recharge en la mettant au congélateur. Je vous le demande. Alors toi, quoi? Intox, pas vrai. Pourquoi? Tu peux mettre tout ce que tu veux au congélateur, ça se recharge pas, c'est pas vrai. Non, moi, t'y crois pas, toi. Toi? Moi, je pense que c'est de l'intox, parce qu'au contraire, une puce qui est, enfin, une carte à puce qui est déchargée, il faut la chauffer, il faut la frotter sur le bras, sur la cuisse, enfin, frottes, où ça vous décharge. Voulez. Vous frottez, ça la réchauffe et elle se recharge. Ouais. Ben voyons. Ben, et moi, toi? Je veux dire un faux. Toi, tu dis un faux. Oui. Alors, c'est un sujet qui nous a été envoyé par M. Xavier Ovas, qui habite au 1000, dans le 13. C'est tu connais, c'est pas loin de Saint-Rémy. Oui, c'est à côté de Saint-Provence, Bouches-du-Rhône. Bon. Alors, il a déjà gagné 2000 francs, puisqu'on a tourné son sujet. Maintenant, pour savoir si je rajoute 1000 francs de ma poche, on écoute la réponse. C'est vrai que j'y ai cru, tout ça c'est du pipeau, ce n'est pas de la faux 1, c'est de la tox 1. Voilà, alors c'était de la tox. Donc toi Amanda, tu n'as pas été trompée une seconde. Non, c'est impossible. C'est impossible. De toute façon, moi les cartes de téléphone, je crois qu'enfin bon. C'est pas au vieux phoque qu'on apprend à faire la grimace. Non mais il faut les réchauffer, non pas les refroidir. Ah bon, comme les hommes, c'est la même chose. On pourra essayer. Vous comprenez mon cher? Ben je comprends très bien ma petite voilà. Lindine. Et toi, ben, bah, voilà, tu t'es planté, je me suis plantée, hein? C'est pas grave. Bah si, il parce faut... que c'est pas grave pour Monsieur Ovas, qui gagne 1000 balles de plus, ça lui fait quand même 3000 francs c'est à bien. Monsieur Ovas. Corti, le score. Pour ce qui est de décharger, on peut pas tromper Amanda ni Evelyne, 2 points, alors que le Van Moor reste à 1 point.
C'est drôle. Et j'accueille maintenant Amanda Lear à mes côtés. Avant de continuer l'émission et avant d'interviewer Amanda Lear, je voudrais vous dire de rester avec nous pour la surprise de la fin de l'émission et nous passons une sacrée soirée. Alors dis-moi Amanda, oui. Tu en es où avec TF1 alors? Ah ben j'en suis... C'est peut-être la dernière fois qu'on te voit sur France 2 parce qu'après tu seras une star de la Lune. Je viens de surmonter le choc. Ben oui, c'est curieux. Tu sais, j'étais en Italie, j'ai une émission là-bas à la radio et ils m'ont téléphoné qu'ils avaient pensé à moi pour présenter cette grande émission du samedi soir. Et bon, j'ai été surprise parce que j'ai dit pourquoi moi, c'est vrai. Mmh. Puis finalement, quand on... Il faut croire qu'ils voulaient reformer un couple célèbre, c'est-à-dire Christian Morin et Amanda Lear. On avait lancé La 5, ça avait bien marché. Très bien. Alors... marché La 5, bravo. Ben oui, dès qu'on... ben, ça a très bien marché. Quand si on... tu fais à TF1, ce que tu as fait à La 5, on est tranquille. Ça n'a marché que quand on y était. Oui. Quand on s'est arrêté, Christian Morin et moi, ça n'a plus marché. C'est donc fou, finalement. Voilà. Et donc ils veulent reformer ce couple, qui est un couple plein d'humour, d'ironie, et voilà. Alors j'étais très surprise. Et puis maintenant le choc passé, je dis ben, pourquoi pas, oui. Bien sûr. Samedi soir, j'ai rien à faire. Hein. C'est en direct en plus. Jeu sans arrêt. Oui, non, non plus. Alors dis-moi, pour le moment, tu fais un show hebdo pour Berlusconi, c'est ça? Non, en ce moment, je travaille pour la RAI. En Italie, ouais. Je travaille pour la RAI, j'ai un show quotidien, tous les matins, à la radio. Et là, les gens de toute l'Italie me téléphonent. Et tous les matins, on parle de tout, des taxes, des élections américaines, des impôts, de la mafia, de tout ce que tu veux. Et les gens m'appellent en direct et je trouve ça... tellement grisant et excitant d'avoir vraiment l'opinion du public, tu vois, du fin fond de la Calabre, du fin fond de la Sicile, m'appelle. Et là, il n'y a pas de filtrage, donc ils peuvent m'appeler, me dire des horreurs. D'ailleurs, tous les matins, je me dis, chouette, on va peut-être... Ouais. Et puis non, finalement, ça se passe très bien. Alors, ils sont comment, les Italiens, en ce moment? C'est vrai, cette division entre l'Italie du Nord et du Sud, ça a vraiment arrivé? Il y a la fameuse Ligue, et ça, c'est grave, parce que c'est impossible de diviser l'Italie du Nord et l'Italie du Sud. C'est comme si ici, on faisait une ligne qui s'arrête à Lyon, tu vois. Bah, ils ont essayé en 42, mais ça n'a pas marché. Ouais. Et puis en plus, non, il y a des vilaines choses qui se passent en Italie en ce moment. Il y a un renouveau du racisme, il y a des problèmes économiques, il y a tous les hommes politiques sont arrêtés pour des histoires de pots de vin, il y a des affaires sans arrêt. Bah, ici aussi, mais ils arrêtent pas si tu veux. Ouais. Bah, ouais. Alors en Italie, bon, ça va mal, et moi ce qui me touche le plus, c'est que la lire italienne est beaucoup tombée. Ouais. Alors, donc tu reviens un peu gagner des francs, quoi. Ils sont pas terribles. Les francs non plus en ce moment. Ah bon. Enfin, on espère qu'on s'en sortira. Moi, j'ai vu des voyantes récemment, pas Elisabeth Tessier, mais d'autres. Des voyantes. qui m'ont dit que ça, on n'était pas sorti de la merde, hein, ah bon. Comme dit Muriel Robin. Ah ouais. Non, non, toute l'année qui vient, là, il y a l'économie, tout ça, il va falloir s'accrocher. Hein. Bon, il y a une émission. Il va falloir bosser. Bah oui, on bosse. Il y a une émission de toi que j'aimais beaucoup. C'est quand tu étais au lit. Oui, j'avais eu l'idée. Alors Sabatier a essayé de te piquer l'idée, puis toi, ça lui a pas réussi du tout. Mais oui, il avait piqué l'idée. D'ailleurs, je lui ai dit. Il t'a pas payé pour ça? Ben non, mais pour se faire pardonner, il m'avait invité à faire sa dernière émission et il voulait justement faire un grand machin, montrer le truc au lit. Finalement, ça s'est pas fait parce que le pauvre s'est arrêté. Il a pas montré cette émission où tu recevais les gens au lit. Moi, j'aurais aimé qu'il la montre. On va la montrer. Ah ben c'est toi, tu l'as. Moi, bah, prends ton petit téléviseur. Prenez votre petit téléviseur. On va voir Amanda recevant les gens au lit. Voilà, c'était dans un beau lit de satin. Mystérieuse, et sai perché. Sono bionde il mio profumo e una mania. Tumultuosa la mia bocca, una bugia. Una notte insieme a te. C'è un sorriso accanto a me. I tuoi muscoli sirene da rockstar, le parole fiori amore vanità. Notte, notte, no, non andar via sul letto mio, così con lui che mi solletica col piede, ride, slace, poi l'amore che è ancora amore. Oh, la fantasia, la notte tua, la notte mia, e lui mi offre. Amanda Lear,
les hommes politiques, les footballeurs, tout le monde, ils acceptaient de venir dans le lit, donc avec moi. Et puis une fois qu'ils étaient dans le lit, ils étaient paralysés de terreur. Ils se disaient, qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fous là? Ouais. Alors c'est très curieux, on se demande pourquoi ils allaient. Ils venaient parce qu'il y avait une vieille libido, tu vois, l'idée d'aller au lit avec un mandalire. Puis après, ils se disaient, merde, maintenant, qu'est-ce qui se passe encore? Un lieu public ici. Oui, il est gonflant, lui. C'est interdit de fumer, c'est un lieu public. Lieu public. Mais oui, mais c'est un lieu de public depuis le début novembre. Putain, lui, je vais te dire, dans le genre prise de tête. Je suis désolé, okay, bah, c'est la voix. Bon, rentre en plan, t'es gentil, tu te casses. Je te crois pas, lui. Vraiment. Bon, enfin, on va passer à l'interview première fois. Est-ce que tu es prête, Amanda? Première fois. Premier souvenir. J'en ai pas de premier souvenir. J'ai pas de premier souvenir. Non, c'est vrai. Premier souvenir, tu sais, on est tout petit. Ouais. Je sais pas. Le biberon, je suppose. Le biberon, quand même. Ou le biberon. Premier choc. Oh, premier choc, quand on m'a... Oh. Quand on m'a fait avaler une purge. Laurent, on n'y arrivera jamais, Laurent. Laisse-moi finir. Une purge. Hein? C'est un choc. Ah, une purge? Ah, oui, purgé. Parce que j'avais des verres. Première fois où tu étais retrouvée toute nue avec un garçon. Eh ben... À l'armée. Non, c'est moche quand même. La première fois, c'est moche. Après, on s'y fait. Non, c'est vrai parce que j'avais beaucoup idéalisé tout ça. Je le voyais... Un peu comme lui, là. Oui, tout lisse, tout harmonieux, etc. Tu entends, Herman? Hein? Et puis on se retrouve avec un mec poilu, tout ça. Première expérience homosexuelle? Ah, moi, alors, une très mauvaise qualité. Ah bon? Ah, moi, je suis une très mauvaise lesbienne, c'est même pas la peine que j'insiste. Parce que, non, c'est vrai. Parce que je veux rien faire, je me laisse faire. Non, c'est pas. Je suis pas un bon coup, quoi, tu vois. Première expérience à plusieurs. Là, c'est pareil, parce que c'est pas mon truc. J'aime bien, je suis un peu égoïste au lit. Alors, j'aime bien qu'on s'occupe de moi toute seule, tu vois. Alors, s'il faut partager avec des copines et puis attendre son tour et tout ça, ça m'agace un petit peu. Premier mariage. Oui. Ton premier mariage. 3 jours. Ah oui. Non, ça, c'est l'armée, ça. Non, c'est pas l'armée, Laurent. C'est 3 jours. L'armée, c'est 3 heures. Non, 3 jours. Ah, c'était mon premier mariage, c'était un coup de tête, comme ça, une lubie, une folie. Je me voyais madame, et puis après, je me suis dit, merde, je suis madame, quelle horreur, tu vois. Premier geste le matin en te réveillant. On se gratte les couilles. Alors... Quel serait... Je dirais que le premier geste en me réveillant, je me lève, je vais dans la salle de bain, je me regarde dans la glace. Elle se rase. Pas du tout. Je me rase pas. Je me regarde et je me dis... Oui, elles ont de tous les côtés. Oui, c'est très bien. Et je me dis, qu'est-ce que je suis belle, qu'est-ce que je suis bien, qu'est-ce que je suis bien. Même si c'est pas vrai, même si je trouve que j'ai l'œil bouffi et tout, qu'est-ce que je suis bien. C'est devenu une habitude, c'est très important, ça fait partie, je te l'expliquerai, de ma méthode de pensée positive. Quelle serait ta dernière volonté si tu devais mourir là, maintenant, tout de suite. Tout de suite, là, maintenant. Là, maintenant. Quelle serait ta dernière volonté? N'oublie pas de nourrir ma chatte, parce que... Ça va être très très dur. Bon alors, écoutez, ça vous apprendra. Je vais vous faire une petite info intox surprise. C'est une question de Ludovic Barbarossa. Barbarossa, un italien. Barbarossa. Alors. Vous pouvez verser le verre. Alors, vous êtes concentrés. Lova, Evelyne, Amanda. Oui. Un club anti-Dorothée. Oh. Ça n'existe pas. Attends, a été créé à la rentrée par une association de parents d'élèves. Donc on va faire engueuler. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Lova. Intox. Intox. Tu crois pas, toi? Non. Pourquoi? Elle est charmante, cette petite Dorothée. Pourquoi serait-on contre elle? D'accord. Evelyne. Je suis très ennuyée parce que Dorothée sur TF1, c'est la même famille, mais la télévision est une grande famille. Mais j'ai entendu parler d'une information de ce genre et je crains fort que ce soit de l'information. Et je le déplore d'ailleurs. Parce qu'il en faut pour tous les goûts. Et tu le prouves. Dorothée, quelqu'un de très bien.
Elle a mis un seau à champagne sur la tête de Baffy l'année dernière, donc c'est quelqu'un de très bien. Voilà. Elle est bonne copine. Ouais. Non, moi je crois que c'est de l'info. Ouais. J'aime bien Dorothée, mais je peux comprendre qu'elle peut irriter certaines personnes, des parents, justement, peut-être pas les enfants, mais des parents. Donc je crois que c'est de l'info. Bon, Laurent, oui. C'est de l'info ou de l'intox, à ton avis? Moi je pense que ça doit être de l'info. Je sais pas. Eh bien, vous êtes tous plantés. C'était de l'intox, sauf Lova. Hein? Bravo. Alors, Ludovic Barbarossa, 2550 Pont de Roide. Je ne sais pas où c'est, mais enfin, lui, il gagne 500 balles. Et Corti, tu nous donnes le score. Voilà, j'ai chaud derrière, mais bon, je peux dire que Amanda reste à 2 points, Evelyne 2 points, et Gazlash, Lova Moore, égalise à 2 points. Bravo, Lova. Après l'interview première fois, tu comprendras qu'on fasse l'interview dernier coup. Ça ne t'étonnera pas. Ça ne t'étonnera pas. Ton dernier coup de tête. Oui, c'est une maison. Ah bon? Ouais. À Saint-Rémy. Cher, oui. Ouais. T'as vendu l'ancienne et t'as pris une... Bah ouais, je déménage. Ouais. Il y a trop de princesses, alors je déménage. Ouais. C'était avant de connaître Bouygues, parce que maintenant, il aurait pu t'en faire une toute petite. Bah oui. Oui, alors ça, tu évites. Quoi? Bouygues, il aurait pu t'en faire une petite. Surtout que j'aime les grandes maisons. Dernier coup de bluff. Oh, ça tout le temps. Quand on a signé le contrat pour TF1, j'ai dû bluffer, là. Ouais. Tu leur as dit que Berlusconi proposait... J'ai dit que j'avais de gros besoins. Ouais. Ils t'ont cru. Dernier coup de boule. C'est quoi un coup de boule? Il n'y a plus de boule. Moi, j'agresse verbalement. Alors là, c'est terrible parce que c'est pire que tout. Tu vois, je dis des méchancetés, mais des... Quoi, par exemple? Ah, des horreurs. Ah bon? Ah, tu vois, j'ai une langue de serpent. C'est vrai, il vaudrait mieux que je frappe les gens parce que je leur dis des choses épouvantables. Terrible. Après, je regrette. Dernier coup de cœur. Oh, bah, dernier coup de cœur, ça tout le temps. Moi, j'ai des coups de cœur, c'est vrai, pour des tas de choses, pour des enfants, pour des objets, pour des personnes, pour tout le temps. Je le regrette, c'est pour ça que j'ai pas de pognon, parce que j'ai tout le temps des coups de cœur. Mmh. Je marche à l'instinct, au coup de cœur, tu vois. T'as des coups de cœur pour la misère humaine, pour... Oui, oui, absolument. Les bosniaques, les choses comme ça. Peut-être les bosniaques me touchent moins que ce que j'ai tout près dans un milieu d'amis. Tu vois, là, je m'occupe du sida en Angleterre. Bon, enfin, je m'occupe pas du sida. Mais je sais qu'en Angleterre, il y a plusieurs associations, ils sont mieux organisés qu'en France. Il y a une association dont je fais partie, s'appelle The Red Admiral, qui s'occupe d'organiser des soirées de bienfaisance, ça pour le sida. Mmh. J'en fais partie, bon, je le crée pas sur tous les toits, je le fais en Angleterre, je le fais pas en France. Mmh. Et donc ça, c'est les choses... Le drame de la Balkarie, ça t'a pas du tout touché, par exemple? Si, bien sûr, mais c'est pas... Je vais te montrer ce qui se passe en Balkarie. Prenez vos petits téléviseurs, s'il vous plaît. La Balkarie. Presque un an après la naissance de la communauté des États indépendants, la CEI, des conflits ethniques ne cessent d'éclater un peu partout sur le territoire de l'ex-URSS. Le sud de la Russie, véritable mosaïque de peuples tous différents, vole en éclats, et plus particulièrement dans le Caucase. C'est le Moyen-Orient soviétique. Et d'ailleurs, on y retrouve les mêmes affrontements que dans le Moyen-Orient proprement dit. Il y a toute une série de situations qui rappellent le Liban, avec des milices qui peuvent se faire la guerre aussi longtemps qu'au Liban, c'est-à-dire 15 ans. Et puis, c'est le tempérament du Midi, c'est le soleil, c'est les montagnards. Les montagnards, on disait aux longs poignards, n'est-ce pas? On appelait comme ça chez les Russes, qui ont d'ailleurs fondé une fédération des peuples montagnards du Caucase. Et c'est parce que les autorités russes ont arrêté Moussa Chanibov, le chef de cette fédération des peuples montagnards, que la Balkarie vient de se soulever. Cette toute petite république de 700 000 habitants est prise dans la tourmente nationaliste. Les Balkars rêvent d'indépendance. Pour la communauté russe à Paris, la situation actuelle est préoccupante, car elle est tout à fait semblable à celle qui a déclenché la guerre serbo-croate dans l'ex-Yougoslavie. Belle République Kabardino-Balkarie, c'est un petit, c'est tout petit pays, un bel pays. Et s'il y a aujourd'hui des problèmes, ça ne peut pas durer longtemps. S'il y a des problèmes, c'est les conséquences du régime communiste. Malheureusement, la révolte en Balkarie n'est que l'une des 125 crises ethniques recensées dans l'ex-URSS.
Moi, ce que j'en dis, hein, c'est que si Boris Eltsine, il avait pas joué ce tour de cochon à Gorbatchev, on n'en serait pas là, vieux. Hein? S'il vous plaît, c'est un lieu public ici, oui, on le, fume non, pas. Voilà, lui. C'est un lieu public, on ne fume pas. Bon, mais attends, je suis pas à l'antenne, là, t'es gentil. Ça fait rien, on ne fume pas, c'est un lieu public. Mais je suis... Enfin, c'est mon émission, je fais ce que je veux, quand même. Je veux pas le savoir, c'est un lieu public, oh, on ne fume pas, pas ici. S'il vous plaît, vous éteignez votre cigarette. Merci. Oh, lui, alors. Il a pourri la soirée, lui, je te dis pas, tu vois. Bon, on va reprendre sur des applauds, vous y êtes. Alors, bientôt un nouveau pays, la Balkarie. Est-ce de l'impôt ? Est-ce de l'impôt ? Je vous le demande. Alors à toi, Lova. Intox. Intox. Tu crois pas du tout, toi ? Absolument pas. Ça fait Tintin, un peu, du tout. Tout à fait. Hmm? Non, je dirais Intox aussi, je sens ouais. pas bien ça. Balkarie, non, ça. Tu crois pas, toi ? Ça fait un peu BD, quoi. Ouais. Un BD, j'ai dit. Hein. BD, on a bien compris. Hein. On ne se méprenne pas, surtout. Pas non, moi, j'ai cru reconnaître Didier Gustin brusquement dans le film à la fin, et ça fait un peu tout ça, oui, bon. Bidon, je suis sûr que c'est pas vrai. Pas ah vrai bon. Du tout, il n'y a pas de Balkarie, je le saurais s'il y avait une Balkarie. Bah, nous aussi. Alors, c'est un sujet qui nous a été envoyé par Jean-Luc Mirmont, 75 006 Paris, qui gagne 2000 francs puisqu'on a tourné son sujet. Maintenant, pour savoir s'il a planté Amanda, c'est quand même bien le 1. Quel vénin. Et oui, et donc s'il gagne 1000 francs de plus que je mettrai de ma poche, on regarde la réponse. C'est de l'info, tout à fait. Ben, je suis journaliste et on essaye de ne pas dire trop de bêtises, mais même si c'était faux, voici, même si je m'étais trompé, voici l'Atlas universel fait par le monde où nous avons la Balkarie est en fait une partie de la République autonome des Kabardins et des Balkars, capitale Nalchik avec ses frontières, non c'est clair. Comme le rose et le vert. Et voilà. C'est comme le rose et le vert, il y a du vert. Qui suit régulièrement l'émission, donc je crois que c'est un vrai strike. Vous avez été tous les trois, toutes les trois plantés. Hein, quand même, on est très culte. Heureux, je veux dire. On est un culte. On est très très contents. Jean-Luc Mirmont, bah, lui, va empocher 3000 balles, hein, ce qui n'est pas rien. Et Corti, tu vas nous donner le score. Écoute-moi, avec tous ces symboles, je ne sais même plus où j'en suis. Je ne sais même plus si c'est des nymphos ou de l'intox, ouais. Mais je peux vous donner le score. Le score. Égalité parfaite, de partout. Oh, et j'accueille maintenant Émile Leclerc à mes côtés. Alors, Émile, bonsoir. Alors, je crois que tu connais Laurent Baffy, vous êtes ensemble dans les grosses têtes, donc... Oui, enfin, quand vous dites on est ensemble, c'est façon de parler, bien ils sûr. Sont ensemble. Nous nous sommes croisés quelquefois sur le plateau d'RTL, avec plaisir. Mmh. C'était parfois un petit peu difficile, mais... Mmh. Pourquoi ? Parce que son humour, t'es pas toujours très... Vous appelez ça de l'humour ou... Non, non, mais c'est un garçon... En dehors de l'émission, il est tout à fait charmant. Elle a beaucoup d'humour. Il faudrait surtout le voir. Je peux te dire qu'il en faut. C'est sûr. Et là, je prends des risques encore ce soir, mais c'est avec plaisir. C'est... Toi qui regardes souvent l'émission, tu connais le Baffy Show ? Bien sûr. Ça te fait rire, ce truc-là, toi ? Moi, j'aime tout ce qui est humour dans la vie. J'aime bien rire. Je pense que c'est l'essence même de l'existence, à quelque niveau que ce soit premier, deuxième, troisième degré. Bon, c'est vrai que Laurent a un humour très particulier, parfois un peu saignant, sanglant. Mais c'est pas inintéressant. Et bon. Je crois que vous avez quelque chose à nous proposer. Bah exactement, exactement. Laurent Baffy, le Baffy Show. Pardon ? Je dis, on voit de la police, c'est assez rare. Ouais. Bah, il en faut un petit peu quand même. Il y en a pas assez. Ouais, il y en a. On n'est pas. Réfléchis là. Oui, une seconde, avec monsieur. Je te cause en. Je dis pas une seconde. Je demande un renseignement. Que je te choque dans le quartier, toi, t'as regardé ta casquette. Bon, bah, les lampes. Ça va pas mieux, ça. Quel en passé, celui-là ? Quoi ? Quel en passé, hein. Oh, Cardinet. Alors, la rue la Cardinet. Place des Ternes, hein. Et une seconde, je suis avec monsieur, là. Eh, espèce de je te cause. Bah, une seconde. Tu veux un coup de boule, toi ? Je te demande un renseignement, tu me le donnes, connard. Sale flic, pédé.
Que je te chope pas dans le quartier, toi. De quoi? On n'est plus en sécurité, hein. Oui. Hein? Oui, c'est des salauds. Mais qui c'est ce mec? Ah oui, mais il y a beaucoup de vols. La porte de Clignancourt. Une seconde, je suis avec madame. Eh, hey, dis donc, espèce de con, je te demande un renseignement. Pardon? Flic de mes qui peut me répondre? Ça va pas. On est contre, on demande un renseignement, comment on est. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que j'appelle des collègues et qu'on vous embarque? Tiens, prends ça dans la gueule, pauvre con. Dégaine si t'as des couilles, t'es qu'une merde. Allez, filez, va. Que je te croise pas dans le quartier, ouais, toi, c'est ça, là. Allez. Un conseil. Ouais, c'est ça. T'es pas très poli, madame, hein, c'est... Non, pas du tout. Pardon? Il est dingo. Eh, hey, dis donc, je te demande la rue de Mirmenil, alors tu vas me répondre, oui? Attendez, je suis avec monsieur. Tu me réponds pas! Voilà, là il est moins fier maintenant parce qu'il a mal au cou. Regardez-le, il a mal au cou. Que je te croise pas dans le quartier. Ouais, vous toi. Êtes pas malin, hein? Que je te croise pas dans le quartier, toi. C'était lui une contravention? Il doit se connaître, se mettre au copain. Non, je vais lui mettre. Oh, le salopin! Oh, mais faut y aller, monsieur. 512 AG777 et tout. Et Moi j'en reviens pas. Vous m'excuserez d'être indiscrète, mais oui. Ça me faisait. Je suis corse alors. Ah, ouais. J'aime pas ça, hein. D'accord. Non, je pensais que. Oh, je vais pas lui mettre, il a été sympa quand même. Tu me réponds, je te demande un truc. J'en ai plein le cul des flics de. Que je te chope dans le quartier, toi. Espèce de. T'as intérêt à planquer tes miches, hein. Je te crois pas, ça, avec les impôts qu'on paye. Reste dans le coin, tu vas voir. Il est fou, quoi, on est témoins, hein. Oui, mais vous voulez qu'on appelle la police? On peut pas appeler la police, c'est moi la police. Monsieur, chef. C'est bien toi, tu m'as mis une prune hier. Eh, j'étais en 5 hier, c'est toi qui m'as mis une prune. Espèce de connard. Que je te chope dans le quartier, tu vas pas arrêter maintenant, hein. Fic de merde. Oh. Remets-moi une prune, tu vas. Bon, moi je suis libéré. Pardon? Moi je suis libéré. Ouais. La place Clichy, je te demande, connard. Je te pose une question. Eh non, je te cause. Ah bah monsieur, il est serviable. Il répond, monsieur connard là. Trop soft. Et parce que je comprends pas. Ouais. C'est quand l'autre vient nous demander d'éteindre nos clopes, pourquoi tu t'écrases comme ça? Mais attends, on va lui bourrer la gueule, ça va le calmer. Ah là. Bon? T'as vu, en plus, non seulement ça nous défoule, mais ça va défouler les gens qui rêvent de taper sur les flics. Ouais. Vas-y. Faites-le, c'est pas inaccessible un flic. Mettez-lui un coup de bombe dans les rouleaux, tentez-le. Alors, je crois que le professeur Rollin a demandé la parole, professeur. Oui, Thierry, je voudrais ajouter une chose, parce que j'ai bien vu que j'ai créé un petit malaise tout à l'heure. Je voudrais vous dire, vous savez, il n'y a pas que le sexe et les nanas comme solution pour attirer les téléspectateurs, puisque c'est ça le but. Il y a des tas d'autres choses, un exemple entre mille, par exemple. Pourquoi ne pas faire une émission sur les régions de France? Voilà, ça intéresse les gens. Vous savez, moi, je circule à longueur d'année en province, et les gens, ils me le disent, ils me disent, on s'en fout de savoir avec qui couche Evelyne Leclerc. Ils disent, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on parle de notre région, la Picardie, le Morvan. Le Limousin, ça c'est les vrais sujets qui intéressent les Français. Vous comprenez, les Français sont très attachés à leur région, bien plus qu'au sein de Levamour. Alors ricanez maintenant, Thierry, ricanez, mais réfléchissez là-dessus, dormez là-dessus et puis on en reparlera. Vous verrez que les régions, c'est pas si bête. Réfléchissez à ça. Bien, bah écoute, je crois, professeur, qu'on va l'applaudir. On va l'applaudir parce c'est que bien. Effectivement, j'avais jamais. Alors avant d'interviewer Evelyne Leclerc, je voudrais vous dire, chers téléspectateurs, de rester avec nous pour la surprise de la fin de l'émission. Je vous promets que vous allez passer une sacrée soirée. Alors, Evelyne, tu sors un disque. Oui. Avec que des belles chansons d'amour. Entre autres, oui, que des belles chansons d'amour. Il y a quoi dessus? C'est une espèce de medley avec une vingtaine de chansons, des classiques, quoi. Ton époque, les roses blanches, tout ça. Voilà, ouais. La vie en rose, c'est si bon. J'ai commis tout ça, mais revu et corrigé et arrangé par Charlie Oleg. Par Charlie Oleg. Quand même, il faut le dire. Il faut le dire, on applaudit Charlie Oleg. Charlie Oleg, à qui nous demanderons de venir pour l'émission de Noël. Qui est au rock'n'roll, parce que Le Pen est à la démocratie, rappelons-le. Mais vous ne savez peut-être pas, c'est que Charlie Oleg a quand même accompagné, entre autres, Joséphine Baker et Johnny Hallyday. Et sa femme à l'hôpital. Dans deux genres complètement différents. Et sa femme à l'hôpital, dit Laurent. Et qui va mieux, Dieu merci. Tu peux pas en chanter une, là? C'est si bon
de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de te voir dans tes yeux, je sais plus les paroles, un sourire merveilleux, mais qui en dise long en voyant votre mine ravie. Il a dit un petit bout. Les passants dans la rue nous envient. Amanda, tu veux en chanter une là, non? La même? Bah la même, oui, allez. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. Lova, tu peux te joindre à... Oh là, ça y est. Non, non, allez-y, allez-y, Lova. Ah, attention les filles. C'est si bon de partir n'importe où, en chantant des chansons. C'est ça d'être animateur. C'est si bon de se dire des mots doux. Et en plus, mais qui en disent long. En plus, c'est payé, c'est payé. En voyant notre mine ravie. Que c'est bon. Les passants de si la bon. Rue nous envient. C'est si bon, c'est bon. Là, tu me laisses tomber. Alors, et puis il y a une pièce oui. qui s'appelle Coup de foudre oui. de Francis Geoffaut. Avec qui alors? Avec Patrick Préjean, Maurice Rich et ma meilleure amie, Sophie Darel. Ah, c'est ta meilleure amie dans la vie? Oui, on se connaît depuis qu'on est toutes petites. Ah bon? Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle est restée quand même petite. Moi, j'ai grandi depuis. Mais Sophie, viens. Sophie Darel. Voilà. Je veux dire mieux, tu peux l'emporter en partant. À la maison. Celui-là, il est pour Amanda, bon, c'est ça, hein, c'est ce qu'on avait dit. Et alors, moi, rien comme d'habitude. Toi, t'as ma fille, toi. Ah, chic. Toi, t'as ma fille. J'ai toujours les restes, moi. C'est agréable. Tu verras, je gagne à être connue, je l'ai dit au début de l'émission. Alors raconte-nous donc cette pièce là, parce que t'es sa meilleure amie peut-être, mais dans la pièce ben tu lui piques son mari, c'est non? Vrai que je suis pas très sympa en fait, ouais. Enfin si, je suis quand même gentille, c'est-à-dire que dans la pièce c'est exactement l'inverse de dans la vie, c'est-à-dire que moi je suis une chienne et elle c'est une fille très bien. Ouais. Oui merci. Elle est voilà. Sympa, c'est juste l'inverse dans la vie, tu vois. Ouais. Ça se passe pas du tout comme ça, alors qu'en réalité dans la vie c'est une chienne et moi je suis une fille très bien. C'est voilà, juste l'inverse. C'est, vous voulez dire qu'on est très très amis, ouais. Aucun problème. Vous entendez bien, ça va? Non, on s'entend vraiment très bien. C'est vrai que dans la pièce, je suis la petite amie de son mari. Ouais. Mais elle le prend assez bien. Finalement, ça se passe pas mal. Enfin, je crois que... Enfin, c'est une pièce qui pour l'instant, fonctionne très bien. Ça fait 12 jours que nous la jouons. Mmh. Et il y a du monde partout, partout, partout. On refuse du monde. Voilà. Non. Si. C'est comme nous. N'ayez pas l'air étonné. Oui. Hein. Le côté non, c'est pas vrai. Ben si, c'est vrai. On refuse du monde. Dis-moi, moi, ce que j'aime, c'est quand tu fais des imitations. Tu veux pas m'en faire une ou deux, là, juste pour moi? Tu aimes vraiment, toi? Ouais. Ah. Ça y est, elle se venge. Ben, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Je parle d'imitation, bien oui, sûr. Oui. Hein. Ben, fais-nous Mireille, on va voir. Le zizi, je l'ai trop attendu, tendu, tendu. Je veux croquer le fruit défendu, fendu, fendu. J'ai parcouru la planète, même pas une petite conquête. Et pourtant, j'ai très envie de voir la petite souris. Arrêtez-moi, s'il vous plaît. Oh non. Une autre. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse Brigitte Bardot. Oui, j'aime bien parce que c'est ma copine. Elle ouais. Me souffle. Tu veux Véronique Sanson? Si tu veux. Si le quand attends, tu permets, j'improvise. Je t'en prie. Si je me fais belle, c'est pour lui. C'est un employé de la télé. Il est beau, mais pas très gentil. Il s'appelle le beau Thierry. Alors moi. Spécial blonde, on va en faire beaucoup. Alors, Evelyne. Il y a de la fumée ici. Mais vous fumez, vous? Il passe la soirée à nous expliquer que c'est un lieu public et après il fume, lui. Hein? Ah oui, mais en fait, j'ai bien réfléchi. Ici, c'est un lieu privé. C'est ça, un lieu privé. Ah bon? Un lieu privé. Appelez qui réfléchit. Oh,
Alors Evelyne, comme on ne se connaît pas bien, on va faire une interview check-up. Et quand on aura fini l'interview check-up, on se connaîtra très bien tous les deux. Quel bonheur. Ton nom? Evelyne. Ça, c'est ton prénom, ça. Leclerc. Leclerc. C'est ton vrai nom? L-E-C-L-E-R-C-Q, parce que CQ, c'est belge. Ah bon, d'accord. Oui. Je croyais pas du tout que c'était pour ça. T'as des surnoms, d'abord? Non. Ma fille m'appelle Nanane. Ouais. Bon, c'est tout. Ton Jules, il t'appelle comment, Oli? Il m'appelle pas, parce que j'ai pas de Jules. T'es Jules, t'appelles comment, alors? Bah, il m'appelle pas. Il me téléphone de temps en temps, ouais. Mais bon. Ta date de naissance? Ah, c'est déjà beaucoup plus... Non. Ouais, je sais. Non, je ne l'ai jamais caché. Ah bon? La grotte de Lascaux, c'est marqué. Toi, ça va, et la tienne, date de naissance? 18-4-58. Non, ouais. J'ai eu 41 ans, je sais que je l'ai fait largement. La télé, ça esquinte pas mal, mais bon... Non, ça va, pourquoi? Non, mais j'ai pas de problème à ce niveau-là, je me sens bien. Ouais, t'as l'air. Je ne sais pas si vous me sentez bien, mais moi, je me sens bien. Taille? En largeur non, ou en hauteur? Oui ou non? Alors non à la deuxième question, mais... Oh, je sais pas... 163 ben voilà. Et demi. Je parlais en centimètres. Ton poids? Oh, alors ça varie. Hein. En tantôt. Très variable. Ouais. Je suis fâchée avec ma balance depuis de nombreux mois. Mmh. Oui, ça c'est un sujet tabou. Mmh. Tour de poitrine? Ça, c'est pas tabou du tout, parce que mes consoeurs, ce soir, ont montré les leurs généreusement. Allez, et allons-y. Elles peuvent le faire. Allez, on va faire un petit tour de poitrine. Moi, j'ai un peu camouflé, mais alors, bon... Lova, c'est dans les 90. Ouais, moi, 90. Souffle à monsieur connaisseur dans... 90. Le... Attends, quel bonnet? Quel bonnet? Oh, dans les B, je pense. Quand B, Lova, tour de poitrine. Bah, 90, ça tient dans la main d'un honnête homme. Ouais. 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 C'est con que t'aies fait de la prison, hein. 90. Moi, ça tient dans la main d'un nain. Sophie est hors concours. Ouais. Amanda. Ben moi, ça dépend. Ah bon? Je vous assure, ça, tout dépend du soutien-gorge. Ouais. Il y a des jours où sans et des jours avec. Ouais. Et quand c'est avec, mais ça dépend. 100 cm? Ah, avec le soutien-gorge, moi, je peux avoir. Là, ce soir, c'est des 90, combien, des 92, oui, là, c'est des. Ah ouais, il y a oui, des filets qu'on les voit mieux. Je suis sûre, ça dépend vraiment des soutiens-gorges. Et puis, il y a d'autres fois où, au contraire, je les montre absolument pas. Alors là, il n'y a rien, c'est l'autoroute, c'est tout droit. C'est pas comme moi, quand même. Le nez, ton nez? Tu n'as pas fait refaire ton nez? D'origine, non. Tout est d'origine. Les dents? J'ai au regret de vous le dire. Tout est d'origine, également, les dents aussi, oui. Les cheveux, gras ou secs? Oh, sec, abominable, minable. Ouais. Les téléspectateurs ont pu le constater depuis longtemps, mais ils m'ont pardonné aussi depuis longtemps. Les yeux, alors toi, t'as des yeux formidables. Fine de clair numéro 2. Ah ouais, ouais. T'es myope? Il n'y a pas de lentille. Un stigmate? Ah non, rien. C'est rien du tout. Oh. C'est des 10-10? Ah oui, oui, plus que ça même. Mmh. J'ai une vision plus importante que la moyenne. Ah bon? Tu vois quoi là, par exemple, que nous on voit pas? Ah, je vois la nuit. Non, mais je vois des lettres donc. Que les gens... Nyctalope. Nyctalope, oui. Mais elle n'est pas presbyte. C'est un groupe. Bah oui, t'as des signes particuliers. C'est un groupe de Tiger. Mais en fait, je n'ai rien de particulier. Je me demande même ce que je fais dans ce métier parce que je n'ai absolument. Je suis quelqu'un de très banal en fait. T'as pas de grain de beauté, de verrues, de. T'as bien un gars. De cicatrices, de tatouages. Bah non. Non, non, mais c'est bien. Mais t'es gauchère ou droitière? Non, c'est nickel. Hein. Gauchère, vous droitière. C'est important. Je crois qu'après cette émission, tu vas te marier, te remarier. Bah j'espère. Gauchère, parce que depuis le temps que j'attends. Gauchère, droitière. Droitière, bêtement. Ouais. Une enfance pauvre ou riche? Je dirais moyenne. Si je dis pauvre, ils vont râler. Si je dis riche, ça ne sera pas vrai. Ouais. Mais française, genre Sheila, tu vois, petite fille de français moyen. Très bien, oui. Avec un papa et une maman que j'adore et que j'embrasse d'ailleurs très fort. Bah oui, tiens. Je peux, hein. Bah, c'est comme à tourner manège. Bah, exactement, mais c'est pareil finalement, tu sais, la télévision. Tu es autodidacte ou diplômé? Prends des mots simples. Bah justement. Il est super. On y arrive. Non, non. Autodidacte ou diplômé? Et quand il n'est pas grossier, il a vraiment infiniment de talent. Ouais. Et ça, je tiens à dire. Et gentil avec moi. Non, non. Autodidacte, mais un peu diplômé quand même. Bon. Parce que j'ai eu mon bac à 16 ans, il ne faut quand même pas c'est rigoler. C'est pas mal. Hein, quand même. Et j'ai mon brevet de pilote d'avion que j'ai eu à l'âge de 19 ans. Une licence de cochonne qu'elle a eu à 12 ans. Licence de cochonne après. Non, non, c'est ça, bien, c'est les deux donc. Choses qui me tiennent le plus à cœur. Et puis le reste, bon, c'est. Bon, la télévision, c'est venu. J'ai appris sur le tas, comme j'ai dit au début de l'émission, et c'est beaucoup de travail. Est-ce que. Prenons un mot simple. Oui, lequel? Maison. Non, pas maison. Onanisme. Ça, c'est cochon, ça. Ah bon, d'accord. Donc tu sais ce que ça veut dire? J'en ai vaguement entendu parler. Parce qu'Arthur, lui, il savait pas, si tu veux.
Ah oui, non je sais les que maisons c'est... non plus, vous savez pas. J'ai une question que je n'ose pas te poser. Il n'y a que les, il y a que les réponses qui sont indiscrètes. Bon, bah, je te la pose alors. Oui, vas-y. Fréquence hebdomadaire des rapports sexuels. Alors là, ça t'étonnerait. Hein. Hebdomadaire, tu veux dire quotidienne? Combien de fois par semaine? La question a été mal posée. Combien de hebdomadaire, c'est une semaine. Hein. On reprend tout à zéro. Justement, alors il faut que je fasse une multiplication par 7. Ouais. Parce que hebdomadaire égale 7 jours, ouais. Donc il faut que je multiplie par 7. Ouais. Alors 3 fois 7, 21. 21. On applaudit Evelyne. Vous voulez une réponse? Tournez ma manette. Non, c'est pas moi qui faut applaudir. Mais maintenant, peut-être parce que je plaisantais, à vous de savoir faire la différence. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Intox. Intox, qui a dit intox? Jaloux. On va faire une petite interro surprise. Une question de Henri Lourgouillou, 04-200 Sisteron. Vous êtes prêtes, les filles? C'est quoi le score, Corti? Égalité. Parfaite, presque tir au but, de partout. Ah, dis donc. Le village d'Astérix a-t-il réellement existé? Lova. Non. Tu penses que non? Non. Amanda. Non, c'est une invention de Goscinny ou d'Herzo. Moi, je vais dire oui, parce que dans toutes les questions que l'on pose dans cette émission, 9 fois sur 10, c'est info. Alors qu'on ne s'y attend pas du tout. Donc, je vais dire info. Ben, j'ai peur que tu aies perdu, c'est de l'intox. C'est pendant ses vacances d'adolescent en Bretagne que Goscinny, tu vois, s'est inspiré de faits historiques réels pour inventer le personnage d'Astérix et le village d'Astérix. Henri Lourgouillou de Sisteron gagne donc 500 francs. On l'applaudit. Corti, Corti le score. Alors comme à l'Eurovision, Evelyne Leclerc, 2 points. Amanda Lear, 3 points. Love Moore, 3 points. Ouais. Alors, tu vas répondre par oui ou par non, d'accord? Non. Alors, si tu le trompais, tu lui dirais? Non. Est-ce que tu quitterais tout pour le grand amour? Oui. Est-ce que tu t'aimes? Pas du tout. Est-ce que tu ferais l'amour avec Charlie Oleg? Quand tu me dis l'amour. L'amour avec Charlie Oleg pour 1 million de nouveaux francs. Alors, 1 million de nouveaux francs, d'abord, il faut que je calcule. C'est pas mal. Sans briques, Evelyne. Mais c'est pas assez. Evelyne. Non, il y a une condition sine qua non qui fait que je ne ferai jamais l'amour avec Charlie, malgré toute l'affection que je lui porte, c'est qu'il est marié, ouais, et que je connais bien sa femme et que je l'apprécie infiniment. Et que pour moi, il est hors de question d'avoir une relation quelconque avec un homme qui est déjà avec quelqu'un d'autre. Attends, tu peux faire l'amour avec des hommes mariés quand même, ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah non, j'aime pas du tout. Je donne beaucoup, mais je demande beaucoup aussi. Est-ce que je suis assez claire? Très claire, oui. Merci. Est-ce que le message passe bien? Noté. C'est une fille sage, hein, Evelyne? Elle est gentille, hein, je t'avais dit. Ah ouais? Oui. Est-ce que tu crois qu'on vieillit moins vite quand on habite en hauteur? Alors, je n'ai jamais réfléchi à cette question. Je n'étais pas au courant de ce sujet. Je crois que ça n'a rien à voir, en fait. Bon, ben regarde. Prends ton petit téléviseur, regarde. Bon. Le temps, c'est une vie, c'est une société, c'est une culture, c'est beaucoup de choses à la fois. Les vacances, ça passe vite, ouais. Les cours, vacances passent trop vite, parce que les cours, ça passe trop doucement. C'est la vie, c'est peut-être les désillusions, c'est les questions existentielles qu'on se pose sur la vie. C'est très accéléré par rapport à d'autres endroits, comme la campagne. Chacun vit différemment la succession des jours, des nuits et des saisons. L'idée du temps qui s'écoule est une notion toute relative. Cette impression est intellectuelle, morale ou psychologique, mais plus surprenant encore, elle est prouvée scientifiquement. Le temps passe plus ou moins vite selon l'endroit où l'on se trouve. Albert Einstein, relayé par des astrophysiciens célèbres, a expliqué ce phénomène. Dans le cadre de la relativité générale, le temps n'est pas une donnée absolue. Le temps, l'écoulement du temps, plutôt, est affecté par la présence des masses autour du point où vous vous trouvez. Imaginons par exemple que des hommes partent vivre sur Jupiter, donc une planète beaucoup plus importante que la nôtre, eh bien, ils vivraient beaucoup plus longtemps que nous. Pourquoi? Parce que le temps à la surface de cet objet très massif, eh bien, est ralenti évidemment par rapport à nous.
Selon la même théorie, une horloge placée au sommet du Mont Blanc tournera plus vite qu'une horloge identique posée au niveau de la mer. La différence, calculée en milliardièmes de seconde, peut être mesurée par des horloges atomiques. Cette théorie nous concerne tous. Une jumelle qui habite au 30e étage d'un gratte-ciel vieillira plus vite que sa sœur installée au rez-de-chaussée. Un tel raisonnement devrait garantir aux gardiens d'immeubles une longévité à toute épreuve. Alors, plus on a vite, plus on vieillit vite. Lova. Intox. Intox. Amanda. C'est de l'info. Info. Alors c'est un sujet qui nous a été envoyé par Robert Bedel de Lyon, qui gagne déjà 2000 francs puisqu'on a tourné son sujet. Maintenant, pour savoir si je vais rajouter 1000 francs de ma poche, on écoute. Qu'est-ce qui se passe, Amanda? Il y a Bafu qui m'envoie des signes. On écoute la réponse. La réponse est oui. Depuis Einstein et sa théorie de la relativité, on sait que le temps est élastique, c'est-à-dire en fait qu'il ne s'écoule pas de la même façon pour tout le monde. Ces effets sont tout à fait mesurables, bien que extrêmement minimes. À l'échelle d'une vie humaine, par exemple, ils ne se compteraient qu'en milliardièmes de seconde. Donc les téléspectateurs qui vivent dans les étages supérieurs de leur immeuble ne se précipitent pas au rez-de-chaussée dans l'espoir de vivre plus longtemps. Alors, c'était de l'info. Tu m'avais dit quoi, toi ? J'ai mal compris ta question, excuse-moi. Bon. Et toi, tu m'avais dit quoi ? J'ai dit de l'info. Donc c'est bien. Et toi, tu m'avais dit quoi ? Info. Info. Mmh. Corti, le score ! J'ai remonté. Alors, elle a gagné, mais de justesse, et devinez ce qu'elle a gagné. Amanda Lear a gagné ce soir ! Oui ! Ça va mieux ! Amanda, voilà ton sceptre, Amanda. Oh, merci. On applaudit. Oh, Amanda Lear. Bravo! Bravo Amanda! Bravo! Bravo Amanda! Alors, mesdames, messieurs, maintenant voici la surprise tant attendue, qu'on fasse entrer la surprise et terminons ensemble cette sacrée soirée. Bravo! La plus grosse connerie que tu aies faite dans ta vie? Oh, je sais pas. J'en ai aucune idée, j'en ai fait pas mal. La plus grosse? Ah, la plus grosse. J'en sais rien. Quand tu étais mariée, est-ce que tu penses que tu as tout fait pour garder ton mari? Ouais. Là, je crois que oui.
La plus grosse connerie, je sais pas. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ne referais pas? Qu'est-ce que je referais pas depuis le début de ma vie? Je crois que je serais allée voir le premier garçon dont j'étais vraiment amoureuse et que je serais allée lui montrer mon amour, sans orgueil, sans me draper dans un orgueil à la con, et je serais allée lui dire que je l'aimais vraiment et je l'aurais pas laissé partir. Voilà. Et pourquoi tu l'as pas fait? Bah parce qu'il est mort, donc j'ai pas eu le temps et j'ai été con, je l'ai pas fait à temps, j'ai attendu et puis bon, il y a eu ça. Tu crois que c'était lui l'homme de ta vie? Non, je pense pas, sinon il serait pas mort, ou alors je serais morte aussi, en tous les cas j'espère pas, parce que dans ce cas-là ma vie est foutue. Et puis si je pensais vraiment que ça avait été l'homme de ma vie, je pense pas que je me serais mariée non plus. Tu es amoureuse en ce moment? T'es obligée de répondre. Non. Donc quand on te voit en photo, dans les journaux avec un acteur américain, t'es pas amoureuse de lui? Non, j'ai pas envie de répondre. Pourquoi? Parce qu'on m'a trop volé ma vie privée, on l'a jetée en pâture au public alors que j'étais pas d'accord. Je suis d'accord de donner un certain nombre de choses qui m'appartiennent, mais quand on vient me les voler, je suis pas d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de répondre à cette question. Cette histoire-là, j'ai envie de la préserver et j'ai pas envie qu'on vienne me la gâcher avec des photos, des photos de paparazzi, des choses comme ça. Tu crois que tu vas te remarier? Bah j'espère. À 21 ans, ce serait dommage de me dire bah voilà, ma fille, c'est terminé pour toi, tu vas plus te remarier. Oui, j'espère que je vais me remarier. Tu te vois comment dans 20 ans? Dans 20 ans, je me vois sereine avec toute ma famille autour de moi. Dans une maison, dans un endroit où je me sens bien, avec des rires partout. Si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi comme métier? Si j'avais une baguette magique, chanteuse de hard rock. Ah bon? Oui. Pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.